ça me rend un peu fier quand je regarde le parcours, quand je regarde 5 ans en arrière. Aujourd'hui, c'était la remise des diplômes des grandes écoles et des bachelors. On a dû monter devant énormément de personnes, apparemment 1200. Ça fait peur. Forcément, c'est assez impressionnant de se retrouver face à tout le Palais des Congrès, surtout quand on sait qui a déjà foulé cette scène. Je pense que je le referai jamais de ma vie. C'était une belle expérience. On m'a appris à être créative et à savoir comment développer un projet. J'ai eu beaucoup de professeurs qui m'ont inspiré. Qui étaient hyper importants et flagrants. C'était leur implication et leur amour. Je retiens des profs incroyables et c'était passionnant. C'est grâce à eux si en sortant de l'Artsup, les étudiants sont si bons. J'ai toutes les cartes en main, sachant que je suis rentrée en sachant à peine dessiner et en ayant des vagues notions d'un peu tout. Le monde de demain, c'est vous. Je vous encourage à rêver en avant et surtout à rêver en grand. Artsup, c'est une famille. N'oubliez jamais vos amis de l'école. C'est votre réseau maintenant, c'est bien plus que ça. Sachez qu'on sera toujours là pour vous. Le meilleur souvenir à Artsup, c'est toutes les fois où on allait à Station F. C'était fou quoi de se retrouver dans ce lieu, c'est des émotions indescriptibles. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant je travaille là-bas. Donc c'est un peu un rêve qui est devenu réalité. Il ne reste plus qu'à commencer le parcours professionnel. Je viens de terminer un CDD dans un studio de motion et je me lance en freelance pour le reste de l'année et peut-être le reste de ma vie, qui sait. Maintenant, je me suis installée à Berlin avec mes 5 meilleurs amis que j'ai rencontrés au premier Way à Artsup. Je dirais aux futurs diplômés Artsup de travailler dur et c'est vraiment ça va payer.